Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée magnifique, pour l'emploi que vous avez donné à notre fils Régis et pour toutes les merveilles que vous faites tous les jours de notre vie. Nous te le confions pour ce voyage et pour sa nouvelle vie. Veillez sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Oh, Régis. J'aurais aimé que tu restes pour suivre le culte de dimanche avant de partir. Non, maman. Tu sais que je dois aller faire quelques préparatifs avant lundi. En plus, je n'ai pas encore pris contact avec les collègues. Je dois aussi voir le directeur pour aménager mon bureau à mon goût. Oh, tu vas me manquer, mon fils. Et il a raison, Rebecca. Il ne peut pas arriver le même jour et puis se préparer. Il faut bien qu'il voie tous les groupes. Hein? Allez, il faut qu'on y aille maintenant. Mais n'oublie pas aussi que nous avons notre mission au village de Sébrigan. Ah, hein? Oui. Allez, Régis, on y va. Allez. Oh, maman. Oh, papa, tu m'as manqué. Oh, oui, mais toi aussi, tu m'as manqué. Tu es devenu un grand garçon. Merci, papa. Allez, on y va. Bonsoir. Hey, à propos, l'autre fois là, tu as passé dans mon champ. Dans ton champ? Et tu as piétiné les tomates, les piments que j'ai pris le temps de semer. Ah bon? Méfie-toi, là-bas ce n'est pas un chemin. Mais monsieur Sotini, tu vas passer dans ton champ. C'est manque de respect. Ok, c'est bon. Ne passe plus là-bas. Là-bas ce n'est pas un chemin. Parce que ça, c'est embêtement. Ok, c'est bon. Bonne journée à toi. Ce petit paresseux là, qui est né récemment, là, lui aussi s'est marié à une grosse femme comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui n'aime pas travailler.
Régis. Régis. Comment ça va? Oui, ça bien. Et toi? Ça va bien. Et la journée? Pas mal. Vous allez où? Il est midi, on devait aller à la cantine. Ah bon? Ouais. Et vous ne m'avez même pas invité à manger, c'est pas gentil, hein? Non, t'inquiète. forcément que Régis a quelque chose à te dire. Comme quoi? T'inquiète, il n'a toujours rien à me dire. Voilà. Bon, ok. D'accord. Vous m'apportez quelque chose à manger parce que moi, je n'ai pas de sang. Sûrement qui va le faire. Mm-hmm. Je suis sûr. Okay. Donc, à tout à l'heure. Régis? Sovici. Sovici. Je t'ai dit de ne plus m'appeler Sovici. Je suis née de nouveau et désormais mon prénom c'est Perpétue. Alors la prochaine fois que tu oses m'appeler par ce prénom d'idolâtrie, je te montrerai une autre couleur de moi. Hé, hey, va me chercher la rococo que je t'avais demandé de me préparer pour la cérémonie des jumeaux qui sont partis dans la brousse. Nous sommes au premier vendredi du mois. Nous avons préparé pour les jumeaux. Je t'attends pour faire la cérémonie. Surtout n'oublie pas le lure rouge, hein. Éloigne-toi de moi, Satan. Je t'ai dit que mon nom c'est Perpétue. Alors pour ton information, ton haricot se trouve dans ta chambre. Va le chercher toi-même. Depuis quand tu es devenu tel impoli? Alors que tu es la mère des jumeaux, tu sais que nous allons respecter les règles de la tradition. Alors, nous allons préparer pour les jumeaux qui sont passés dans la brousse pour céder les poids. Sinon... Sinon voilà. Quoi? Nous allons devenir fous. C'est ce que nous a enseigné notre coutume. Rien que de la fausseté. Les jumeaux sont partis où? Chercher quel bois? Et ils reviendront quand? Monsieur, réveille-toi de ton rêve et reçois Jésus comme ton seul sauveur. Tu m'entends? Réveille-toi. Tu mérites la correction. Où est ce voleur là? Tu me connais? Où es-tu parti voler mon gibier dans le champ? Où est le gibier que tu es parti voler? Quel gibier? Qui t'a autorisé de venir crier sur moi dans ma maison? Ah bon? Je sais que tu es un vieux irresponsable et tu tues les gens dans ce village. Tu les provoques et tu les tues. Mais moi, je t'avise ici. Si quelque chose m'arrive, tu vas voir. Si quelque chose m'arrive, tu vas voir. Je vais aller voir ma maman tout de suite et parler aussi au chef du village. Tout ce que tu fais dans ce village-là, tu vas voir. Regarde-moi le voleur là. Sorcier. Ah bon, moi, sorcier. Moi, sorcier. Toi, c'est toi. Je parle de toi. Regarde-moi ça. Tu penses que je peux avoir peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Regarde-moi ça. Mais puis toi, hein, tu vas voir. Tu vas voir. Tu ne me connais pas. Si vous êtes créé, vous avez mis tout à l'heure. 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 Vous avez devant, derrière, continue que tu crées. De gauche à droite, continue que tu crées. Oh, continue que tu crées. J'ai mis Goka, j'ai mis ma tuto. Comme un fou. Oli, 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 oli. Faut dire, mais blablabla, vous foutez. Bafoubé, il fout belin. Continue que tu crées.
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Chers frères et sœurs, qui parmi vous est prêt à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme son Sauveur? Alléluia! Amen. Monsieur le pasteur, tu as eu la chance que je n'ai pas retrouvé ma femme parmi les gens. Pourquoi vous avez rassemblé les femmes au lieu d'aller préparer à leur mari? C'est ça la Bible? Est-ce que c'est ça la Bible? Monsieur le pasteur, vous enseignez la fausseté aux gens au lieu de dire la vérité. Ce village c'est pour nous. Si c'est moi seul qui serai dans ce village, vous n'aurez pas votre place. Mais dans peu de temps vous allez me connaître. Je vous montre qui est ce dimoutan. Je vous attends. Mais je ne sais pas ça. Partir? Bien sûr, Régis. Je dois partir. Non, reste un peu. Tu viens juste d'arriver et puis tu veux partir. C'est trop tôt. Écoute, Régis, je dois partir. Hein? Mais pourquoi faire, maman? Je reviendrai. Non, tu m'as tellement manqué. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. On me passe la nuit ici chez nous. Tu m'as aussi manqué, mais je ne peux pas laisser ton papa seul au village. Je dois retourner le voir. Tu le sais. Hein? Tu me manques. Tu m'as tellement manqué, maman. Je sais. Tu m'as aussi manqué. Oh. Une autre fois, d'accord? Hé, Roy. Oh, il va bien, il est sorti. D'accord. Dis-moi, papa. Tu disais qu'il n'allait pas bien. Oui, mais c'est pas grave. Alors reste. Ça, c'est pour moi, non? Oui, maman, c'est pour toi. Merci beaucoup. Viens. Hé, hey, voilà, sauf ici, ma maison n'est pas une église. Dépose-moi ma Bible. Je ne dépose pas. Tu prends toute ta journée à lire la Bible. Ici, c'est la maison de Kosevi que tu crées. Moi aussi, je suis chez moi. Toi, tu prends toute ta journée à lire la Bible. Pourquoi tu te comportes ainsi? Pourquoi tu fais ce genre de comportement? C'est normal, ça? Est-ce que chez toi, c'est normal? Assez! Donne-moi ma Bible. Je ne te donne pas. Et on va voir dans cette maison ici. Viens t'asseoir. Décide-toi. Je vais te dire tes quatre vérités ce soir. Que quoi? Pourquoi? Je t'ai préparé à manger. Et puis après? Je t'ai lavé tes vêtements. Et mes vêtements. Je t'ai mis l'eau dans la douche. Et puis après, alors te cache ici avec fous ça. Fous-moi la paix et donne-moi ma Bible. Je ne le donne pas. Je ne le donne pas ici, c'est chez moi. Ne me pousse pas à bout, monsieur. Je te pousse. Même va jusqu'à l'autre côté. Tu veux me faire voir de toutes les couleurs. Viens ici. Rends-moi ma Bible. Donne-moi ma Bible. Regardez ce que tu as fait. Regardez ce que tu as fait. C'est le divorce. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée magnifique. Et nous voilà de nouveau réunis devant notre lit
nous serons bientôt des objets inertes et maniables par tout esprit. Envoie tes anges patrouiller dans ce village cette nuit afin de faire échouer toute tentative maléfique. Qu'il en soit ainsi selon ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit, chérie. Rebecca, je te désire, tu le sais bien. Tu vas encore me dire que tu es fatiguée. Alors que toi-même, tu enseignes aux autres femmes de ne jamais refuser leur époux. Et toi, tu fais le contraire. Non, c'était juste pour te rappeler ça, quoi. Sœur Perpétue, maman, est-ce que tu me suis? Oui. Bien. La Bible nous déclare que la lumière et l'obscurité ne peuvent jamais cohabiter. Justement, maman, je voulais te poser cette question. La Bible nous enseigne que la lumière et l'obscurité ne doivent pas cohabiter. Cela signifie que je dois quitter mon mari, puisqu'il ne veut pas recevoir Jésus comme moi. Sœur Perpétue, ce n'est pas ça l'explication. La Bible nous dit beaucoup de choses en paraboles et nous devons faire très attention. Et il est vrai que tu es lumière et tu dois éclairer les autres qui sont encore dans l'obscurité, comme ton mari par exemple. Maintenant, c'est à toi de lui montrer par tes actes, ton amour, par ton affection, que tu as vraiment rencontré un nouveau maître. Et peu à peu, il te suivra comme un mouton. Suivra qui? Il te suivra comme un mouton. Voilà le mouton est arrivé. Voilà ce que cette sauvage t'enseigne. C'est comme ça que vous enseignez la fausseté aux gens de ce village. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Qu'est-ce que toi tu peux m'expliquer? Tu vois pourquoi je dois le quitter? Quoi? C'est parce que tu crois. C'est ça que je crois. Maman, je connais la Bible plus que vous. Toi, soi-disant femme de pasteur. Toi et ton mari là. Je connais la Bible plus que vous. Vous enseignez des faussetés. Tromper des femmes de trucs dans ce village. Vous quittez leur mari. Des sauvages comme ça. Allez, dégage. Afiwa, va me chercher de l'eau. Dépêche-toi, hein. Pardon, mon père,
Une femme mariée ne reste jamais à la maison. Toujours à l'église. Toujours à l'église. Bonsoir, Sojinu. Sojinu, bonsoir. Bonsoir ta maman. Bonsoir ta grand-mère. Tu viens ici. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Aïe, mes yeux, Sojinu. Aïe. Tu m'as tapé du tapis en l'air. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de toute ma famille. Je te remercie pour la vie de mon mari. Je te remercie pour ma vie. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour tous nos péchés. Et fais en sorte que tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ te rencontrent, spécialement mon mari. Qu'il te rencontre comme tu as rencontré Saul sur la route de Damas. Touche son cœur pour qu'il puisse se convertir. Toi-même, tu as dit dans ta parole que la lumière et l'obscurité ne doivent pas cohabiter. Fais quelque chose, Seigneur. Maintenant, je passe au plan B. Change son cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons. Je t'ai trouvé une épouse. La bataille que nous avons engagée, nous n'arrivons pas à vaincre. Alors, je t'ai trouvé une épouse qui va nous aider, qui va convaincre, qui va combattre le pasteur. Voici ce que tu écris. Afiwami, viens, Afiwami, qui t'y bat, je t'implore, viens. Viens avec qui t'y bat. Ah, bonne année. Afiwa Wikitiba, bienvenue. Bonne arrivée. Tu viens pour faire la guerre. La guerre que je n'arrive pas à vaincre. Merci. Merci. Afiwa Wikitiba, merci. Ah, merci. Hélène, tu viens d'où comme ça? Je viens de chez maman pasteur. Ah, vous les femmes de ce village, chaque temps, maman pasteur, chaque temps, maman pasteur. Tu sais que depuis que mon mari est mort, c'est elle qui arrive à me consoler avec les paroles de Dieu. Ah, justement, tu sais, c'est ta belle-mère qui est sorcière.
celle qui a tué ton mari. Tu ne sais pas. Tu veux me dire que ma belle-mère... Mmh. Elle est sorcière. Elle a tué mon mari. Mmh. Celle qui tue tout le monde. Surtout ne dis pas que c'est moi. Ma belle-mère. Oh. C'est elle. En tout cas, moi je l'avais. Ne dis pas que c'est moi. Gardez ça pour toi. Bonjour ma fille. Belle-mère, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde comment tu m'as rendue. J'ai appris hier que c'est toi qui as tué mon mari. Quoi? Oui. Ma fille, regarde mes mains. J'ai pas tué mon propre fils. Mais pourtant tu l'as fait, non? Ton propre fils que tu as porté dans ton ventre pendant 9 mois, maman. Tu l'as tué d'un seul coup. Regarde mon fils, Winnick. Oui. Ma fille, arrête de m'appeler ta fille, hein. Je ne suis pas ta fille. Je te donne 3 jours si tu ne me dis pas la vérité, je quitte cette maison. Non, ma fille. Seigneur, je suis. Maman, ce pasteur se prend pour qui? Hein? Je l'avais insulté, il ne veut pas respecter. Mais je ne sais pas. Là, fille avec qui tu vas? Fille avec qui tu vas? Tu vas faire cette guerre là. La guerre là où ça fait. Fille avec qui tu vas? Je l'avais insulté, traité de tous les noms. Mais il ne m'a pas respecté. Fille avec qui tu vas? Fille avec qui tu vas? Fille avec qui tu vas? Je t'implore. Va! Naï la momene, maintenant faut pia. Pas de couchine. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais finalement, c'est comme je suis incapable. Tu as vu que tu vas, je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie avec toutes les forces. Si tu n'arrives pas à la voir, attaque ses enfants. Chelsea, tu peux pas me dire ça. Mais en fait, je suis sérieux. Hein? Vraiment? Ouais, okay. Je suis sérieux. D'accord. En fait, il a déjà promis, en 5 minutes, c'est déjà passé. Donc, je passe le chercher. Ça, c'est vrai. D'accord. Attends, j'espère. Je suis à la minute. Oh, j'ai tout tiré. Régis, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Ah, ça va bien. Ah, tu es là depuis? Oui, depuis un temps. Wow. J'étais là et tu as passé 10 minutes avant de venir. Ah, excuse-moi, j'étais en train de faire un truc à l'intérieur. Ah, bon? Ok. Ça va? Oui, ça va, je ne pleure pas. Ok. Je suis là. Ok, c'est cool. Ok. Vous allez m'excuser pour un bout de temps. Je vais juste acheter du crédit en bas. Je reviens. Pour appeler encore les filles, c'est ça, non? Oh non, t'inquiète. À propos, est-ce que tu as pu retirer le dossier de la dernière fois? Le dossier? Dossier. Tu veux parler de la dame? Oui. Ok, non, c'est bon. Tout est ok là. J'aime bien ta montre. Hein. Ma montre? Oui, elle est superbe. Waouh. Ok, merci. J'aime aussi quand tu ne rases pas ta barbe. Ça fait que t'es sexy. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, et merci. encore quoi? Encore. Ok. Que fais-tu de ta soirée? La soirée, bon, rien de spécial. Tu sais, après le boulot, bon, moi je me repose. Hein. Tu te reposes? J'ai plein de trucs à faire au boulot, donc quand je rentre à la maison, très fatigué, je dors. L'église, ah bon? Et puis tout quoi. Ah bon, tu ne sors pas ce soir? Non. Pourquoi? Histoire d'aller danser un peu, partir en boîte. En boîte? Non, tu sais, moi je suis né de nouveau, donc je ne fais pas ce genre de choses. Dieu,
Et si je me mettais à te masser encore? Masser? Non, toi aussi. C'est bien, moi. Tu sais, je suis un peu fatigué là. Je vais devoir te laisser. Je vais me reposer un peu. Tu peux pas me laisser seule dans ton salon comme ça? Non, reviens tout de suite. Ah bon? Ok, occupe le temps en attendant qu'il vienne, s'il te plaît. C'est bon, je suis un peu fatigué. Oh, s'il te plaît, Régis, sois gentil. Je suis désolé, hein. À tout à l'heure. J'ai le truc. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Mais j'ai le truc, tu as quoi? Non, laisse-toi. Arrête ça, ça veut dire quoi? Lâche-moi. Non. Tu as quel problème? J'ai le truc. Attends, je vais te dire une chose. Moi, je n'aime pas ça. Je ne t'ai plus jamais venir dans cette maison. Ça veut dire quoi? Lâche-moi. Attends, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Lâche-moi, ça veut dire quoi? C'est ton problème. Ne viens plus dans cette maison, ok? On dirait que je t'ennuie avec mes causeries. Non, tu ne m'ennuies pas avec tes causeries. Juste que je pense un peu à la longue route que je vais effectuer demain sur le village. Je pense tellement à ma maman. Tu sais, je l'aime trop. Si je pouvais prendre juste 5 minutes et atterrir chez elle, la serrer dans mes bras, tu vois. Tu vas m'arrêter ça un jour? Quoi? Tu n'es plus un ado? Oh, ado? Moi, je parle de ma mère, tu me parles d'ado, tu as quoi juste? Ok, dis-moi. Et j'ai truite. Tu prononces encore le nom de cette fille? As-tu pu lui avouer tes sentiments? Arrête ça. Elle est follement amoureuse de toi. Je m'en fous. Et elle n'attend que ça. Fonce, Régis. Tu sais, moi, fais-lui la cour et passe à une autre. Moi, je n'ai pas ce temps. Moi, je compte déjà 5 victimes dans ma judiciaire. Ça, c'est ton problème. Tu sais, je suis né de nouveau. Je crains Dieu, je ne peux pas faire une truc pareille. Je ne peux pas, c'est ça, je ne peux pas. Dieu. Régis, tu as la vie devant toi. Moi, je la vis comme on le dit chez nous. Et dès que tu auras 50 ans, tu te retournes vers ton Dieu. Des belles voitures, de l'argent, toi qui travailles à la banque, tu fais quoi là? Tu vas faire quoi avec tout ce que tu as là? C'est ça que tu appelles belle vie, manger voilà. La vie. Excuse-moi le terme, hein. Baiser les filles et la boisson, boîte, changer de voiture. C'est ça que tu appelles la belle vie. Je vais te dire une chose, hein. On fait le même boulot, mais on n'a pas la même vision. Ok? Moi, je ne suis pas dans les affaires de filles, belle voiture, boisson, tout ce que tu fais. Je vais te dire une chose. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir en enfer. Je te dis. L'enfer, c'est où? Je te parle de la vie, je te parle de ça, des femmes un peu partout, des belles voitures. Bref, tu m'engages avec tes problèmes, ok? Voilà. Arrête, c'est bon, je suis un peu fatigué là. Il est 23h. Et on va plus en boîte? Ok, bon, à demain. Quelle boîte? Mets-lui là, à demain. Je te comprends. Ton père, c'est un pasteur.
Régis, il faut que tu manges avant de partir. Non, maman, ce n'est pas la peine. Je veux prendre des photos pour des amis. En fait, le village est très joli. Tu reviens vite. Ok, pas de problème. Allez. Papa. Maman. Allez. Allez. Jeune homme, viens. Allô, la bourgogne. Ah, tu viens d'où? Je viens de la ville. Je suis l'enfant du pasteur. Vous le connaissez? Ah oui, oui, oui. Oh non, sinon je le connais bien. C'est un monsieur très gentil. Ah. Ah oui, ah oui. Quand il est venu dans ce village, tout marche bien. Ah bon? Non. Ok, là c'est bien. C'est mon père. Ah bon? C'est bien ça. Ah, je veux vous donner un petit cadeau. Je lui envoie le petit cadeau. Ah, c'est très gentil de ma part. Merci beaucoup. Rentre dans le champ. Enlève le maïs. Enlève tout. Et lui amener. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est très gentil. Non, allez un peu loin. Faire le palier. Les palmiers qui sont là, là. Ah. Là-bas, là, c'est gros. Ok, merci beaucoup. C'est très gentil. Oh, maman, oh, voilà! Oh, voilà, oh, voilà! Oh, voilà, et donc? Voilà, et donc? Oh, maman, oh, voilà! Oh, voilà! Oh, voilà. Oh, voilà. Voler, Un voleur dans ce village. Arrête, monsieur. Madame, un voleur. C'est mon fils. C'est mon fils.
Que m'arrive-t-il? Mon fils est un voleur de maïs. Non, je ne peux y croire. Un enfant que j'ai élevé dans les préceptes que vous m'avez enseignés. Un voleur de maïs. Sojinu, tu n'as pas honte de toi. Tu n'as pas honte de toi. Je viens de voir ce que tu as fait au fils du pasteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu continues ainsi, tu verras la colère divine. Tu entends? Tu verras la colère divine. Dieu va te châtier d'une telle manière que tu ne pourras pas le supporter. Tu entends? Sorcier voleur, voyou. Toi, ton pasteur, l'église même, vous n'avez rien vu. C'est bien fait. C'est juste le début. On verra la suite. On s'en vire, on s'en vire. Fille à bientôt. Et Dieu à bientôt.
Seigneur, pas mon fils. Lui qui a une si brillante carrière, un banquier. Lui qui était si heureux de venir dans ce village, de découvrir ses habitants. Il ne peut en un éclair se transformer un voleur, et encore un voleur de maïs. Écoute, mon fils. Mes voix sont impénétrables et ne sont pas celles des humains. Le vent souffle où il veut. Vous attendez seulement le bruit, mais vous ignorez son origine et sa destination. C'est ainsi que j'agis lorsque je décide d'éprouver mes enfants afin de les élever. Oui, oui, d'accord, Seigneur. Mais pas mon fils. Je suis presque sûr que c'est encore un forfait de ce diable. Mais cette fois-ci, il me trouvera sur son chemin. Et il sera vaincu. Mon fils, souviens-toi de la croix du calvaire et prépare-toi. Et comment, Seigneur? Et comment? Sakovi, je t'attache. Je t'attache. Tu n'auras plus de chance. Ta vie est foutue. Je te montre ce que je suis. Sakovi, c'est fini pour toi. Tu vois? Tu vois, Seigneur? Cette pauvre bête va être encore sacrifiée pour des rituels sataniques. Mais cette fois-ci, c'est terminé. Je la détache. Voleur de chef, c'est ce que tu fais avec ton enfant. Monsieur. Je vous ai eu. Prends ça. Sinon, je vais te fracasser les yeux. Non, je ne me calme pas. C'est comme ça que vous faites. Je ne fais que des tâches. Délivrer quoi? Tiens, je t'amène. Sinon, voilà. Tu as volé ma chef. Mais non. En fracassant de. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas te crever les yeux. Allez-y, on va voir le chef. C'est lui qui a permis tout ça, tout ce désordre dans ce village. Allez! Regardez-le. Il est comme ça depuis hier. Tel que vous le connaissez, est-ce qu'il peut voler des épis de maïs? Jamais. Dites-le-moi.
Bonjour, madame. Madame, malgré tous nos efforts pour le maintenir en vie, sa situation est toujours instable. Alors nous devons l'évacuer au CHU Campus. Et votre mari? Il ne va pas tarder, docteur. D'accord, de ce pas, je m'en vais préparer les dossiers. Oh papa, aie pitié de moi. Maman, sois forte. Il n'a rien volé. Maman. Oui. Regarde-le. Je calme, maman. Le pasteur a été arrêté. Quoi? Il a été accusé du vol d'un mouton. Et il pourquoi? Vol de mouton. Je sais pas. Quel malheur est en train d'arriver. Quelle histoire. Maman. Du calme, maman. Qu'est-ce que je fais? Du calme. Je reste avec lui. Mon Dieu. Ramassez nos femmes et après vous volez nos chefs. Voleur! Tu quittes vos chambres. Voleur! Donne-moi ça. Voleur! Voler, c'est comme ça que vous faites. On va voir ça tout de suite. Si vous me connaissez. On y va. Allez! Cache! Allez, rentrez! Je dis rentrez! Vous voulez que je lance ça? Oh. Vous voulez? Devant le chef, je peux te tuer! Si tu ne sais pas faire. Bonsoir. Toby Hondo. Ndo. Sors de qu'est-ce qui se passe? Toby, je me suis opposé à l'entrée de ce soi-disant pasteur dans notre petit village. Après avoir volé nos femmes, il vient de voler ma chèvre. Mais non, mais chef, vous me connaissez bien. Est-ce que je peux, moi, me permettre de voler une chèvre? Mais il raconte des histoires. Mais silence. Il a volé. J'ai surpris dans mon chien en train de voler ma chèvre. Silence. Il a volé. Je dis bien silence. Je veux pas voler une chèvre. Mais non, chef. Je n'ai pas volé de chèvre. Tu m'as ruiné, pasteur. Tu as ruiné ta famille. En venant dans ce village, pour demander une autorisation, mais nos tables se sont opposées. Mais j'ai dit non, puisque tu venais apporter la bonne nouvelle. Tu m'as ruiné maintenant devant eux et devant tout ce village. Tu n'es que voleur déguisé en pasteur. Amenez-le, mais. Majesté, mon mari n'est pas un voleur. Trouvez-vous ça normal? On accuse un père et son fils. L'un de vol de pied de maïs. Ah bon? Et l'autre de chef. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelqu'un derrière tout ça, Toby? Son fils aussi est voleur? Madame, change mon palais! Sortez de mon palais! Toby, s'il vous plaît! Toi, sortez là-bas! Je vais m'atteler pour te prendre. Oh, Toby! On est enfermé. Sortez! Sortez de mon palais! Ce n'est qu'une bande de voleurs là! Oui, elle peut rentrer. S'il vous plaît, maître, une fois encore, je suis venue vous demander pardon. Défendez mon mari, s'il vous plaît. Après, je viendrai vous payer. Madame, vous avez apporté les honoraires. Vous devez apporter les honoraires avant que je n'ouvre le dossier. S'il vous plaît, je vous en prie. Je viendrai payer. Défendez-le.
L'autre fois, quand j'étais partie le voir, il était très souffrant. Je pense que sans les honoraires, je ne peux jamais ouvrir ce dossier. Ici, c'est un cabinet, madame. Je sais. Défendez-le. Sortez-le de prison, s'il vous plaît, maître. Je vous en prie. Madame, vous savez, j'ai beaucoup à faire. Si vous n'avez rien à dire, sortez de mon bureau, s'il vous plaît. Vous me renvoyez? Oui, sortez de mon bureau, s'il vous plaît. Un instant, maman. Oui, allô? Je suis arrivé au village. Je suis actuellement avec sa maman. Voilà. Je vous donne les feedbacks après et nos discussions. C'est bon? Ok, à plus alors. Oui, maman, vous disiez au téléphone. Ton ami a été accusé de vol d'épis de maïs. Épis de maïs? Et il a été battu jusqu'aux os. Quoi? Il a perdu connaissance. Ça fait 3 semaines qu'il est dans le coma. 3 semaines, maman? Maman, j'ai été informée par rapport au pasteur aussi. C'est comment? Il est toujours là-bas. Toujours en prison? Mais c'est quoi en fait? Ils veulent quoi? Et Régis, il est où? Au CHU Campus. CHU Campus? Et quelle cabine, maman? 008. Courage, maman. Je ne peux que te dire courage. Et je promets de faire tout de mon mieux pour que ça aille de mieux en mieux. Courage, maman. Merci, mon fils. Prenez cœur et ça va passer. Merci beaucoup. Courage, maman. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. N'hésitez pas de me faire signe dès que vous aurez besoin de quoi que ce soit. Je serai disponible à 100% pour vous, maman. Merci beaucoup, mon fils. Régis, c'est plus qu'un frère à moi. Alors, je suis prêt à tout pour lui. Toujours maman, tu sais ce que c'est? Tu veux le brûler? Hein? Toi là, tu n'es pas normal. Tu n'es pas du tout normal. Tu sais ce que c'est que ça? Hein? Si c'est brûlé là, tu vas mourir toi. Hein? Toi là, je veux te chasser de cette maison. Tu veux toujours me tuer. Mais si c'est brûlé là, tu vas payer. Madame Pasteur. Excusez Madame Pasteur. Madame Pasteur. Bonne arrivée, assistant. Merci, madame. Bonjour, Madame Pasteur. Bonjour, assistant. Je viens d'apprendre
que vous êtes revenu de la ville. Et tout de suite, j'ai décidé de venir prendre de bonnes nouvelles. Et votre garçon? Il est toujours dans le coma. Et que vous disent les docteurs? Ils ne me disent rien du tout. Ça fait 3 semaines que mon fils est en coma. On ne m'informe pas. On me dit toujours de patienter. Madame, comme c'est la vie des médecins, vous ne ferez que leur faire confiance. Car, rappelez-vous que chaque dimanche, vous nous disiez à l'église que le Dieu que nous servons est fidèle, ne vous décevra jamais. Il m'a déçu. Non, madame. Il m'a déçu, il m'a abandonné. Au moment même où j'ai besoin de lui, Dieu m'abandonne. Et vous me dites d'avoir confiance en Dieu. Il est écrit que sa grâce seule nous suffit. Alors, vous devez nous faire confiance. Et il agira. Madame, je vais prendre congé de vous. Mais pardon, ne pleurez pas. Sinon, vous-même, vous allez tomber malade. Gardez confiance en Dieu. Je reviendrai de temps en temps vous voir. Au revoir, madame. Sœur, tu continues toujours pas pleurer. Ok, bonjour. Ma sœur, je suis passée à l'hôpital, mais on m'a dit que tu es déjà revenue à la maison. Bon, j'ai amené les documents de la maison que tu m'avais demandé. Les voici. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu veux en faire? On me demande 500 000 francs à l'hôpital. Et l'avocat, il réclame 900 000. Où penses-tu que je vais trouver cet argent? Je vais aller prêter de l'argent. Ma chérie, ton Dieu est capable. Ne me dis pas que tu as perdu la foi. Je ne me parle plus de Dieu. Il m'a abandonné. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Ma soeur, tu sais, Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Toi, la femme de pasteur, tu ne peux pas parler ainsi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il m'a abandonné. Non, ne dis pas ça. Chacun a son désert à traverser. Et toi aussi, tu es en train de traverser le tien. Hein? C'est plus fort que moi. Non. Je n'en peux plus. C'est pas la Bible qui a dit que tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Hein? Tanti, tu as perdu ta foi. Non, sois courageuse. Je t'en prie. Oh, sois la bienvenue. Madame, vous savez, ce genre de business, ça n'a pas besoin de témoins. Mais pourquoi, monsieur? Vous devez comprendre. Vous venez seul? Dans 3 jours. Seul? Oui. Seul. D'accord, monsieur. Au revoir. Écoute, seul, hein? Ah oui, ça n'est pas mal. Ah.
Ben, madame, vous êtes encore ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Plusieurs fois, je vous ai renvoyé. Je vous ai dit d'apporter l'argent et j'ouvre le dossier. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore ici. Vous cherchez quoi, madame? Vous ne devez pas être ici. Je vous ai dit d'apporter l'honoraire et j'ouvre le dossier. C'est pour vous demander pardon. Madame, ici c'est un cabinet et je paie les frais pour ici. Il y a l'électricité, il y a le personnel, il y a l'impôt. Vous apportez les frais et puis j'ouvre le dossier. Madame, pardon, je vous dis de sortir de mon bureau. Sortez. Madame, je vais vous remettre les 450. Oh, merci Seigneur. Monsieur, merci. À une condition. De quelle condition parlez-vous, monsieur? Nous en avons discuté, non? Tu vas offrir ton corps. Je sais que vous allez me dire que votre corps est le temple de Dieu. J'ai entendu ça de la bouche de plusieurs femmes chrétiennes disent né de nouveau. Madame, ce temple, je vais seulement le visiter et le sortir. Monsieur, gardez votre sale argent. Remettez-moi tout de suite les documents de ma maison. Tout de suite, monsieur, et vous? Doucement, ma mère. As-tu pensé à ton fils qui meurt à l'hôpital? Et ton mari qui finira ses jours à la prison? Pour faire ce sacrifice, Dieu comprendra. Dieu te pardonnera. C'est un sacrifice que tu fais pour sauver ton mari, pour sauver la vie de ton fils. Regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Dieu comprendra. Hein? Ça va aller. Madame, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous pleurez toujours? Maître, que me voulez-vous? Vous m'avez renvoyé de votre bureau, non? Je n'ai pas trouvé l'argent. Oh. Laissez-moi en paix. Madame, ne vous inquiétez pas. J'ai plaidé le dossier de votre mari. Dès lundi, il sera libre. Il a obtenu une liberté pour moi. Celui que tu crées, a fait avec qui tu bats. Cette femme continue à m'embêter, malgré tout ce que j'ai fait à cette famille-là. Allez vous présenter devant elle,
Montrez-lui que vous êtes capable. Que c'est vous. Yeshua voilà toi. Yeshua voilà toi. Mia peu se wo matewa wo. Mia penu nya wo matewa wo. Yeshua voilà toi. Mia peu se wo matewa wo. Mia penu nya wo matewa wo. Yesu, voilà toi. Ils veulent nous montrer quoi? La Bible. Moi aussi, je suis capable de leur montrer la tradition. Donc, nous, qui sommes ici, dans ce village, nous sommes capables. Ô Père éternel des armées, ô Dieu tout-puissant, tu as dit dans ta parole que quiconque croit en toi ne sera jamais déçu. Papa, tu as encore dit que des milliers tombent à mes côtés, que je ne serai jamais atteint. Alors, papa, je me tiens dans cette parole et je te demande humblement de venir combattre à mes côtés. Papa, viens combattre à ma place. Ô éternel tout-puissant, j'ai confiance en toi et je me tiens dans cette parole. Et je te promets, papa, que je ne vais plus jamais pleurer. J'ai confiance, papa, dans ta main et viens à mon secours. Allez-vous-en, présentez-vous devant elle. Montrez-lui que vous êtes capable. Ainsi que tu crées, fais la guerre. C'est la guerre. Allez-vous-en, présentez-vous devant elle. Oh, merci papa, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et tout ce que tu feras encore papa, merci, une fois encore merci, au nom du Tout-Puissant Jésus j'ai prié, amen. Tu ne mourras pas. Laisse-moi attendre le moment où mon Dieu me sortira de mon désert. Que veux-tu? Pardonne-moi, madame. Je suis venu en ami pour vous aider. Dieu m'a touché le cœur. Je regrette tellement ce que je vous ai fait. Allons voir l'avocat pour la défense du pasteur. Après, nous irons payer les factures pour l'opération de ton fils à l'hôpital. C'est vrai? Oui. Oh, merci, monsieur. Merci, Seigneur. Allons-y. Madame, oui. Vous n'avez pas fermé la porte. Vous êtes élu. Ah. Merci. Merci, monsieur. Allons-y.
Je t'ai choisi, mon fils, pour que tu me serves, pour que tu conduises les brebis perdues vers moi. Tu as longtemps été sous l'emprise du diable, mais à partir d'aujourd'hui, je te délivre. Tu ne seras plus appelé Sotimo, mais Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je me tiens devant vous pour rendre grâce au Seigneur. Accusé de vol, enfermé, me voilà aujourd'hui devant vous, libéré, et cela grâce au Seigneur. Notre fils Régis, votre frère, accusé lui aussi de vol, battu, laissé pour mort, il était dans le coma. Eh bien, je vous apprends une merveille grâce au Seigneur. Il se porte bien. Et mieux, il est même admis à un stage, il se trouve présentement aux États-Unis. Le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Il est fidèle à tous ceux qui croient en lui. Il a montré son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, louons-le.